Salut à tous, c'est Dorian, on est mardi et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance de coaching, un petit circuit training. Et aujourd'hui, je suis très bien accompagné puisque je suis avec Carole et Sylvie qui font partie du dispositif Prescrit Sport. Prescrit Sport, c'est quoi? C'est un dispositif mis en place par la ville pour les personnes atteintes d'une maladie chronique. Donc voilà, et aujourd'hui, du coup, Carole va nous parler un petit peu de son expérience. Bonjour Carole. Bonjour Dorian, bonjour à tous. Alors oui, moi c'est Carole, j'ai 57 ans, j'ai été atteinte d'un cancer et donc j'ai découvert l'APA, l'activité physique adaptée, grâce à Prescrit Sport. J'y suis depuis septembre 2019. Toutes ces activités pratiquées à raison de 3 fois par semaine m'aident à être plus confortable dans mon corps car je souffrais de douleurs neuropathiques chroniques et de parasthésie suite à mes traitements pour mon cancer. Parfait! Parfait! Très bien! Nickel! Donc voilà, du coup, vous avez réussi la première étape. C'est parfait. Du coup, aujourd'hui, nous, on a un petit circuit training. On va faire 8 exercices, 35 secondes d'effort, 15 secondes de récupération. On s'est déjà échauffé, on a fait un peu de mobilité articulaire, on a fait des petits talons-fesses. Voilà, on a réchauffé tranquillement notre corps. On va partir directement sur le premier exercice. Donc, je vous invite à nous suivre. Le premier tour, on va découvrir ensemble les exercices et on va faire minimum 3 tours. Après, si on est motivé, on en fera 4. Et chez vous, vous pouvez même en faire 5. Ok? Vous êtes prêtes? Oui. Ok, donc pour l'exercice 1, on va partir sur un gainage ventral. Alors, on va juste se rapprocher un petit peu. On va se décaler. Hop! Voilà. Parfait. Ça va ici? C'est nickel. Ok, donc exercice 1, 35 secondes d'effort pour du gainage. Sur les genoux ou sur les coudes, moi je lance le chrono, c'est pour ça. 5 secondes, allez, 3, 2, 1, c'est parti. 35 secondes, directement sur la pointe des pieds, parfait. Oh bah c'est nickel, magnifique votre planche. Donc je vous rappelle, si vous préférez faire sur les genoux, il n'y a aucun problème. Voilà, le regard bien vers le sol. On contracte les abdos, on serre les fesses. Aucune tension au niveau de la nuque. Votre planche, elle est parfaite. Franchement, c'est parfait. Allez, encore 10 secondes. Allez, on respire bien, on inspire par le nez, on expire par la bouche. 2, 1, repos. Parfait. On va se mettre debout et on va partir en fente avant. Hop. Pas de soucis. Donc fente avant, d'accord? On relève bien le menton. On a fait ça à côté de votre tapis si vous voulez, pour ne pas glisser. Et on alterne, jambe gauche, jambe droite. Allez, c'est bien les fesses qui viennent descendre, d'accord? C'est une flexion du bassin. Allez, on alterne, jambe gauche, jambe droite. Repos, 15 secondes, on repasse sur le tapis, gainage latéral avec une jambe en dessous, hop, donc bien sur la jambe, le coude sous l'épaule, et là on va venir, sinon les deux jambes en l'air, voilà, bien, on appuie bien sur sa cuisse là, et c'est le genou qui monte, voilà, parfait, allez on avance un petit peu le bassin. Parfait. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre, bien sûr, sur les deux pieds. Non, mais là, c'est très bien. Allez, tendez bien la jambe. Voilà, là, c'est parfait. Allez, 4 secondes. Ça va? Parfait. Repos. On enchaîne les abdominaux. Abdos banane, j'appelle ça. D'accord? Parce que ça a la forme d'une banane. Donc, on se met en statique, on lève les jambes. Voilà, si c'est un peu trop difficile, on met les bras, on ramène un petit peu les genoux, mais on reste statique pendant 35 secondes. On pense à bien respirer. Vous pouvez ramener un petit peu les genoux. Si vous levez les jambes, vous allez enlever de la difficulté un petit peu en plus. Si vous allez lever les jambes haut, tout ça va être facile. Redressez-vous un petit peu.
Limite assez mieux. Je vais essayer de lever juste les jambes devant. 2, 1, repos. Sur cette table-là, si vous voulez, vous pouvez juste rester assise et lever les jambes comme ça. D'accord ? Plus vous allez mettre de l'inclinaison, plus vous allez être en difficulté. Si vous restez ici, comme si vous vous asseyez. Voilà. Allez, on passe sur le gainage latéral. C'est parti, 35 secondes. L'autre côté du coup. Hein. Parfait. Allez, on contracte bien les abdos, on serre les fesses. Ça va comme ça là ? Parfait. Très bien. Allez, encore 10 secondes. Allez, on va passer debout pour l'exercice 6. Voilà, les trois prochains exercices, ils resteront debout. Ça va ? Allez, tac, on se met devant son tapis. Et là, on va twister, donc les épaules bien en face. C'est juste le buste qui va tourner. Chacun son rythme. Attention au tapis, allez-y. Voilà, parfait. C'est le buste et les abdos. Contracte bien les abdos. Prenez votre temps. Parfait. Parfait. 2, 1. Repos. Pour l'exercice 7, on va passer en squat serré, squat ouvert. Donc squat serré, donc les pieds largeur bassin. Donc c'est bien les fesses qui descendent. Un squat serré, on ouvre. Un squat ouvert. Ok ? Allez, c'est parti. Squat serré, squat ouvert. On prend bien son temps. Voilà, le dos droit, c'est bien les fessiers qui descendent, allez-y. Voilà, parfait. Chez vous, si c'est un peu trop facile, vous pouvez rajouter les sauts. Voilà, c'est vraiment adaptable pour tout niveau. Là, vous allez travailler le cardio et vous les cuisses un peu plus. Allez, encore un. Repos. Ça va ? Parfait. Pour le dernier exercice, le 8e exercice, on va travailler un petit peu le cardio. On va ouvrir les bras en même temps que les jambes et ramener. D'accord ? Donc, chacun son rythme, chacun son amplitude. 35 secondes, c'est parti. Parfait. Parfait. Faites attention à ne pas glisser sur votre tapis. Allez, fais des petites pauses si on veut. Allez, courage. Allez, allez, allez. Oui. Allez, 10 secondes. Pas grave. Vous pouvez y aller doucement. Moins vous mettez d'amplitude, moins ça va être dur. Repos, 1 minute 30 de récupération, on a fini le premier tour. Ok ? On en profite pour bien boire. Ça va ? On a vu tous les exercices, il n'y a aucune difficulté pour vous, c'est bon. Vous êtes apte à tout faire, c'est nickel. Donc deuxième exercice, deuxième tour. Si vous voulez chez vous, vous n'hésitez pas à faire les options difficiles. Donc tout ce qui est fente, vous pouvez les faire en fente sautée. Tout ce qui est squat, vous pouvez les faire en squat sauté. Gainage, vous pouvez enlever un appui. Voilà, vous pouvez vraiment adapter. Ça va ? Ça va, Dorian, merci. Le sourire ? Ok, nickel. Parfait. Allez, 30 secondes, vous pouvez marcher. Vous pouvez danser si vous voulez. Non, ça va aller. Ah ! Pour la récup. Si vous voulez, sur les fentes avant, vous pouvez passer en fente arrière, plutôt, si vous préférez. Fente arrière, il y en a qui préfèrent. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de rester bien en place. Donc, on va passer en fente arrière, à la limite, si vous voulez. Et voilà, crème de banane. Ok, on passe sur le gainage. Gainage. En plus, vous faites un gainage, il est magnifique, donc c'est parfait. Allez.
Allez, c'est parti pour le gainage. 35 secondes. Voilà, si on a une difficulté, on n'hésite pas à se mettre un petit peu sur les genoux, tout en restant les abdos serrés, les fesses contractées. Parfait, il est très bien votre gainage. Merci vraiment. Il est travaillé le gainage, il est travaillé. Allez, 10 secondes. Deux, un, repos. Allez, on part sur les fentes. Hop, on est ensemble. Parfait. Donc, fente arrière si vous préférez, d'accord. Allez, on se met devant son tapis ou sur le côté, peu importe. Et c'est parti. Voilà, nous on est passé en fente arrière. Le menton bien relevé, le buste droit. On alterne une jambe gauche, une jambe droite. Allez, on essaye de bien venir fléchir. Voilà, ça c'est parfait. Voilà. Allez, vous pouvez rester en fente avant si vous voulez. Allez, jambe gauche, jambe droite. Encore 7 secondes. 2, 1. Allez, 15 secondes de récupération. On repart sur le gainage latéral. Allez, 2, 1, c'est parti. Si vous voulez vous mettre sur les deux pieds, vous pouvez. D'accord? Ça va? C'est parfait? Nickel. Je vais en face de vous. Voilà, donc vous prenez bien appui sur le genou. Les pieds, si vous savez, vous pouvez aussi. Allez, bien avant, ça va vous aider. Allez, encore 7 secondes. 2, 1, repos. Parfait. On passe sur l'abdominaux. Du coup, je vous rappelle, vous allez vous redresser, pour ça va être facile. Si vous voulez rester comme ça, plier légèrement les genoux, vous pouvez. Ok? C'est parti. Donc, je rappelle pour ceux qui veulent, vous pouvez vous redresser et lever légèrement les genoux. Sinon, vous allongez un petit peu les jambes. Une petite récup, pas de soucis. On va plier un peu les genoux. Plier les jambes. Est-ce que vous pouvez ramener les genoux? Vous avez mal au? Tout gentil. Ok, parfait. C'est une petite récup, pas de soucis. Repos. Passe sur le gainage latéral. Faites une petite pause, hein. On peut prendre une récup plus longue, il n'y a pas de souci. Allez, gainage latéral. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre sur les hanches et juste relever les deux pieds. Ça va? Parfait. Ok, là, on est top. Nickel. Allez. Le cinquième exercice du second tour. Allez, respire bien. C'est bon, c'est bon. Faites 30 secondes, c'est bon. C'est bon. Voilà. On peut aussi adapter les temps, bien sûr. 35 secondes d'effort. Si vous voulez passer à 30 secondes d'effort, 20 secondes de récupération, c'est totalement possible. Allez, on se met debout. On fait le twist. Allez, vite, twister. C'est parti. On met le temps. Hop. On cède. Allez, on fait le deuxième tour ensemble. On va faire le deuxième tour, ça va être très bien. Allez, on twist. Parfait. Allez, respire bien. Chacun son rythme. Prenez votre temps. Allez-y doucement. Voilà. Alors, si vous voulez mettre un peu de rythme, vous pouvez. Deux. Un. C'est bien. Ah. Allez, squat serré, squat ouvert, c'est bon pour vous. Allez,
Allez, bien mettre les fesses derrière. On ouvre. Voilà. Vous allez sentir deux sensations différentes. Le poids bien sur les talons. Parfait. Allez. Mettez votre poids bien sur les talons, d'accord? On enfonce les talons au sol. Allez, 10 secondes. Deux, un, repos. Nickel. On est sur le dernier exercice. Dernier exercice, c'est pareil, hein. Ouverture de jambes. Sans son. On adapte tout. Allez, c'est parti. Voilà, c'est parfait ça. Allez, encore 15 secondes et on aura fini le deuxième tour. Allez, courage, allez, 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 allez. Parfait ça. Motricité, coordination, on y est. Repos, 1 minute 30, fin du deuxième tour. Allez. C'est vous qui voyez. Si vous voulez vous arrêter à deux, vous pouvez. Mais je pense que vous pouvez en faire trois. Ah, c'est bien. Positif, il faut. Parfait. Allez, 1 minute 30 de récupération. Il nous reste 1 minute et on repart pour un troisième tour. Je vous rappelle, 8 exercices, 35 secondes d'effort, 15 secondes de récupération. Vous pouvez passer à 30 secondes d'effort, 20 secondes de récupération. Vous adaptez. Ok? Parfait, 8 exercices. On est à la fin. Oui, 8 exercices. Pas 8 tours, non, pas 8 tours. Ah, 8 tours, ça fait beaucoup. 8 tours, ça fait beaucoup. Je vous l'accorde, 8 tours, ça fait... Non, 8 exercices. Il ne reste que 1 tour. Allez, courage à tous. Ça va? Parfait, ça va? Oui. Ben voilà, nickel. Vous avez le sourire? Oui, toujours. Motivé? Oui. Motivé. Bon, ben, ça va le faire, sans problème. Allez, 25 secondes. Récupérez bien, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Vous pouvez vous installer tranquillement au sol parce qu'on va commencer par le gainage ventral. Dans 10 secondes. Vous me dites si vous avez besoin d'aide, il n'y a aucun problème. Ok, pas de soucis. Allez, c'est parti, vous me faites une belle planche. Allez, allez, allez. Parfait. Nickel. Je vais pouvoir manger sur votre planche. C'est parfait. Elle est droite, ça ne bouge pas. Nickel. Allez, allez, allez. C'est parfait. J'ai rien à vous dire sur la planche. Allez. Encore 15 secondes. Donc moi j'ai deux championnes qui font ça sur la pointe des pieds. Encore une fois, si vous voulez faire ça sur les genoux, il n'y a aucun problème. Ça travaille tout pareil. Allez, une seconde. Repos. Parfait. On a fini avec le gainage ventral. On se met debout. Les fentes. C'est le dernier tour. On est motivé, on est content. Allez, on y va. Super. Super. C'est très bien. C'est très très bien. Allez, c'est parti pour les fentes. Fente avant ou fente arrière, comme vous préférez. Parfait, très bien. Voilà, c'est exactement ça. Le genou de devant doit rester à 90. Allez, parfait. Oui. Allez, encore 12 secondes. Ah voilà, le troisième tour, je savais que ça allait être le meilleur. Parfait, allez, allez, allez. 2, 1, repos. Très belle vos fentes. Parfait. Allez, on part sur le gainage latéral. On descend. On se met au sol. Allez, courage. Parfait. Posez votre jambe au sol. Voilà. Voilà. C'est parfait ça. Vous pouvez faire des petites pauses, vous reposez le bassin et vous remontez. Allez, 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 courage. C'est parti.
Allez, 5 secondes. Parfait. Repos. On passe pour les abdos. Vous avez vu, même dans la difficulté, on y arrive. On est toujours là. On s'assure, c'est les abdos. On se relève. Si, on va se relever, mais une fois qu'on se relèvera, on reviendra plus au sol. Allez, c'est parti pour les abdos. Allez, asseyez-vous, juste relevez les jambes. Asseyez, essayez de vous asseoir un peu plus encore. Rapprochez vos bras. Voilà. Voilà, là vous y êtes. Allez. Allez, on pense à bien respirer. C'est bien, c'est bien. Allez, c'est bien. Allez, allez. Allez, on se motive, allez. Repos. On passe sur le dernier gainage latéral pour pas être bancal. Si on fait que d'un côté, ça va pas aller. On est d'accord? Nickel. Allez, c'est super. Allez, 3 secondes. 2, 1, c'est parti. Allez. Allez, 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 allez. C'est très bien ce que vous faites. Franchement, félicitations à vous. Allez. J'ai de la chance, vu que j'observe, je peux même danser en même temps. Allez, 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 allez. 7 secondes. Allez, on sent que ça contracte bien les abdos, les fesses sont serrées. Repos. Terminé, on peut se mettre debout et on ne reviendra plus au sol. Hop! Parfait. Vous pouvez être fier de vous, c'est très bien. Allez, on part pour le twist. Allez, c'est parti. Voilà. Vous avez juste, en fait, c'est juste le bassin. Vos pieds qui viennent tourner, c'est le bassin. C'est bien. Faites ça comme ça, sans saut. Faites attention, pliez bien les genoux pour ne pas vous faire mal aux genoux, par contre. Allez, allez, allez! Très, très bien, Carole. Merci, Bernard. Repos! Allez, les squats, il reste deux exercices. Les squats, ça va, ben voilà. Cuisses en béton. Nickel. Allez, on part sur des squats serrés. On ouvre, squat ouvert, et c'est parti, allez! Allez, les fesses loin derrière, c'est parfait. Le menton bien relevé. Allez, allez, 5 secondes. 1. Oh, elle fait durable. Parfait, elle fait durable. C'est très bien. Voilà, motivé. Dernier exercice. Ouverture de jambes avec les bras. Sans saut. Allez. Allez, c'est le dernier exercice. Allez, parfait. C'est très bien. C'est exactement ça. Sans les sauts, c'est nickel. Allez, 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 15 secondes. On donne tout. C'est la fin. Allez, on s'arrête pas. 10 secondes. Allez, mesdames, allez, 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 allez. 2, 1. Terminé. Terminé. Bravo, mesdames. Félicitations à vous. Très courageuse. Bien sûr, chez vous, si vous voulez, il reste 1 minute 10. Vous repartez pour un 4e tour, voire un 5e tour. C'est totalement possible. Nous, on va s'arrêter à 3. Ça suffit pour nous. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui. En tout cas, bien. Ça suffit pour moi. Donc, parfait. Merci. On va s'étirer un petit peu, d'accord? Oui, de rien. On va se relâcher. On va boire un coup, ça y est. La bouteille n'est pas vide. Il faut qu'elle soit vide à la fin du cours. On s'hydrate. Allez, allez.
Franchement, félicitations. Vous envoyez un beau message à tout le monde. On l'espère. Si, 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 je vous assure. On l'espère. Voilà. Allez, on va marcher, on se relâche un petit peu. On va juste faire 2-3 étirements histoire de. On se met devant notre tapis, vous pouvez même l'enlever, on va pas passer au sol. Hop, je vous permets. C'est gentil. Ok, on va s'aider, vous allez mettre votre main sur mon épaule pour tenir. Allez-y, allez. La cuisse est bien serrée contre notre cuisse. On n'a pas besoin d'aller devant, même si le genou est devant, c'est pas grave, mais il faut que les deux jambes soient bien serrées. Parfait. Et on avance légèrement le bassin. D'accord. Et là, on va étirer l'avant de la cuisse. Quadriceps. Parfait, c'est bon. On repose. Nickel, on change de jambe. Voilà, allez-y, mettez-vous là. Passez à la caméra, regardez là-bas. Parfait. Du coup, vous mettez là et vous prenez l'autre jambe. Nickel. Je vous rappelle, voilà, jambe bien serrée. C'est parfait. Très bien, c'est bon. On repose. Nickel. On va fléchir légèrement une jambe, on va tendre l'autre. Pointe de pied relevée. Voilà. Et là déjà, vous devez sentir plier votre jambe droite. Voilà. Donc si vous voulez, vous avancez un petit peu légèrement. Les deux mains sur la jambe fléchie. Sur la jambe fléchie. Voilà. Et vous devez sentir une tension au niveau de l'arrière de votre cuisse et de votre mollet. Sur la jambe qui est tendue. Ok, parfait. À partir du moment où on sent que ça étire, pas besoin d'aller plus loin. Moi, perso, je suis pas très souple, donc je reste haut. Vous voyez, ça me suffit. Parfait, on change de jambe. Ok, je vous rappelle, les deux mains sur la jambe fléchie. Tendez, tendez votre jambe, relevez-vous. Regardez, vous avez juste à envoyer la jambe qui est devant, là, comme ça, et plier celle à côté. Et voilà, exactement, la position est parfaite. Allez. Là, on étire bien les ischio-jambiers. On a travaillé avec les fentes et les squats, c'est bon. Ok, on va s'étirer un petit peu le haut du corps. Voilà, on va venir légèrement sur le côté gauche. Côté gauche, voilà, parfait, c'est parfait. Allez, on décolle bien le menton, on souffle, on passe de l'autre côté. Vous devez sentir un étirement sur tout votre flanc, sur tout le côté droit quand vous tournez à gauche. C'est ce qu'on a travaillé pendant le gainage. Parfait. On va aller chercher loin devant. On arrondit le dos. On colle son talon. Allez-y. Le menton bien collé. Voilà, exactement. Voilà. Collez votre menton. Au niveau, voilà, comme ça. Et on arrondit le dos. Essayez d'arrondir le dos. Voilà. Parfait. Parfait. Souffle bien. Parfait. On récupère. Et on va prendre une grande dernière inspiration. On va aller chercher loin. Mettez-vous en face de la caméra, regardez. Voilà, avec un grand sourire. C'est le dernier. Allez, on prend une grande inspiration. On va chercher loin en haut. On fléchit légèrement les genoux. Plus aucune tension dans le corps. On va relâcher les bras tranquillement. On refait une dernière fois. Allez, allez, allez. Pour la dernière. On inspire, on inspire, on inspire. Et on relâche. Et félicitations. Bravo mesdames. Bravo Sylvie, bravo Carole. Je vous rappelle, elles font partie du dispositif Prescrit Sport. Et elles ont très très bien travaillé aujourd'hui. Franchement, félicitations encore une fois. Merci. Parce que c'est beau ce que vous faites. Et vous avez tenu. Franchement, je suis sûr qu'en fait, elles pouvaient même faire un quatrième tour. Elles pouvaient, mais elles n'avaient pas envie. Et elles font, elles vont doucement quand même. Donc voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Écoutez, la caméra est à vous, allez-y. Avancez, avancez quand même pour voir nos deux championnes du jour. Vive l'activité physique adaptée, vive les coachs et vive la vie. Et soignez-vous et prenez soin de vous. Venez à Prescrit Sport. Voilà. Et venez à Prescrit Sport.
Parfait, mesdames. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau coaching. C'est impressionnant quand même. Ah, c'est impressionnant, la caméra. Ouais. Allez, on dit au revoir. Merci. Ciao. Merci à tous. Merci Dorian. Pas de soucis, merci.